grève la levée sur tout le pays à partir de 4 heures. Et ça qui est important pour nous, dans le constat que nous faisons, dans l'analyse que nous faisons, avec les gens nous rencontrons, nous voulons 10 pays, mais qui est qui veut avancer pour résoudre le problème du pays, et même les gens qui veulent pas le problème du pays à résoudre. Et du fait que la rencontre a continué, levée grève la levée dit, l'État a un pour devoir, bâille population en gaz, bâille nous tout ensemble en gaz pour nous fonctionner. Et nous avons continué cette série de rencontres de façon pour nous capables de joindre des résultats. Gang, yo, vol, viol, voler machine, nous faisons payer l'argent qui n'est pas gagné. Comme ça, nous avons dit à tous les camarades, le secteur syndical là, dans l'ensemble, nous avons été mobilisés. Dans la mesure où M. Accord, qui a un accord, Accord, Premier ministre Ariel Henry, Premier ministre de facto, Joseph Lambert, qui a un reste dans le qui a un accord dans le et Montana, qui a un accord, nous demandons grève ça, c'est grève nous te fait pour nous être capable de demander, messieurs, dames, ça, mettez accord ça ensemble pour joindre une solution sur tout le pays. Et peut-être que nous ne pouvons pas dire pourquoi nous avons volonté. Parce que la rencontre a continué, je pense que dans la fin de semaine, peut-être que nous avons communiqué nous et nous avons été en contact avec la presse pour nous dire, mais qui ça nous joigne comme résultat. Le 4 octobre 2021, nous commençons. Et dans le pas la quoi, l'État n'a pas occupé un mot. Et nous avons dit tout le monde a rappelé les revendications parce que nous prenons l'autre intervention à l'autre camarade. C'est toujours des gaz parce que la vente de la machine noire, c'est la bataille contre la sécurité qui sont instruments de l'État utilisés pour décapitaliser la classe qui n'est pas vieux. La kidnapping, vol, viol, c'est toujours la bataille contre la vie chère, la bataille pour empêcher ou avec cette mettre des taxes malachong, la bataille pour empêcher DGI, tout fondait, casser coup. Population a fait le pays 5 ans vieillette qui n'a pas de jambes jeunes. Et après-midi, nous avons fait une annonce spéciale avec le pays. Mobilisation pour la poursuivre. Nous avons le temps de deadline devant nous. Tout le pays a pris le connaître parce que nous avons une réponse à l'État. Et je ne sais pas là chaque camarade qui a pris là-bas d'un point. Parce que nous avons tablé une méthodologie dans le pays. Nous nous disons comment nous avons une solution. Nous tout le monde qui attendait, qui a regardé, et au même journaliste qui l'a, nous connaissons le problème de l'insécurité et politique. La solution doit être éminemment politique. Et de fait, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous comprenons très très bien, nous n'avons pas de capacité et d'élégance pour nous porter. C'est peut-être ça, nous lancer un appel solidarité nationale pour faire lever de bouclier, pour contraindre force fer noire au pays. Et nous avons dit à tout le monde, bataille ça, force fait nous à pape Kakampel. Et nous avons été édifiés pour tout le monde. Pendant l'État n'a pas une capacité, il a fait marronnage. Pendant l'État n'a pas accusé de tous les maux. Et je dis à la première partie, pendant trois séries de grèves, mouché Ariel Henry et ses acolytes, tuer peuple là, il va pas régler rien pour eux. Et nous autres, et pas distance n'a pas. N'a dit Ariel Henry, c'est le héritage. Bandi, c'est le héritage. Action malhonnête. Nous autres, nous sommes des gens qui engagent dans la société civile là. Et nous portons un discours qui a pile cohérence au niveau de la fosse à nous tous. Et bien, n'a dit après-midi. Ce n'est pas des trails seulement. Mais c'est de rêver demain. Et nous comprenons l'activité malsaine ça. Manœuvre politique, politicienne ça. Et. Les politiques et les gens ont frangé la société civile et la classe possédante à faire contre nous parce que le peuple arrive à nos niveaux, réveil de la conscience citoyenne. Fait. Je nous tout dis, nous avons tout annoncé à partir de 4 boules. Ariel a une autorisation parce qu'il a dit nous ne pouvons pas balil. Nous ne pouvons pas mettre rien dans le pays. 4 boules, nous demandons au peuple pour la ravitailler. Demain, c'est après une journée complète travail, après toute activité vendredi. Samedi, dimanche, lundi 1er, mardi 2 et le 3, nous avons préfixé sous le pays. Et si nous n'avons pas une réponse par rapport à l'ensemble des revendications que nous trouvons, M. Ariel Henry et ses acolytes ne sont pas à la hauteur, parce que tant il y a tant de revendications, il n'y a pas les. Nous allons finir pour nous dire nous prenons distance à toute force politique qui voulait utiliser le mouvement ça dans la campagne.
qui veulent utiliser pour faire travail par eux. Nous prenons distance à tout manivrier qui sous pays qui ouais bataille là pour chemin et côté qu'on réveille total capital sous pays. N'a pas continué à engager, n'a pas continué à prendre responsabilité. Et au niveau de la FOSA, qui est force syndicale pour sauver Haïti, j'en ai tout remédié. Et ces quatre dirigeants là, c'est Yvan Duyek dans pointe là, c'est Sanosé Rémik là, c'est moi-même Deron Jacques Anderson, c'est notre frère à nous, notre confrère à nous, n'a dit maman Ganson, garçon Ganson, Guy Vlissin, qui là. Et tout notre camarade qui est dans le nord, Marcel Jean-Philippe, tout notre situ syndical. Et secteur syndical là dans son ensemble qui t'appuie bataille qui dans bataille là. Mais nous nous fait office de porte-parole de secteur syndical là. N'a dit à tout le monde et tout pays là, communauté nationale ou internationale là. Nous à la recherche d'une solution haïtienne. Et la solution c'est une solution participative. N'a dit tout le monde politiciens, acteurs politiques, mon société civile là. Semaine ça c'est dernier moment pour hypocrisie à finir. Suspendre bien à cacher l'ombre par toute figure. Nous assumons notre responsabilité et nous attendons le verdict de l'histoire.